Bonjour, j'espère que tu vas bien. On commence le travail d'aujourd'hui en français par une préparation de dictée qu'on fera demain. Alors, je vais te dire cette phrase, écoute bien. Le babouin est coincé loin dans un coin où il y a moins de foin. Alors, cette phrase, tu as entendu, elle a plein de sons ouin. Alors, le son ouin, tu te souviens comment il s'écrit? C'est le ouin de point, O-I-N, ou bien le ouin de pingouin, O-U-I-N. Alors, je te redis cette phrase et tu vas essayer de compter combien il y a de mots dedans. Le babouin est coincé loin dans un coin où il y a moins de foin. Le babouin est coincé loin dans un coin où il y a moins de foin. Alors, on va les compter ensemble. Alors, le babouin est coincé loin dans un coin où il y a moins de foin. Et donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mots. Bravo si tu as trouvé 15. Alors maintenant, au brouillon, tu vas écrire cette phrase. Alors, je vais te la dicter et pour que tu aies le temps d'écrire, tu mets la vidéo en pause. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, attention, tu penses bien à ne pas oublier les choses auxquelles on doit penser tout le temps, au début de la phrase et à la fin de la phrase. Allez, c'est parti. Le babouin est coincé loin dans un coin où il y a moins de foin. Le babouin est coincé loin dans un coin où il y a moins de foin. Alors ça y est, tu as fini d'écrire. Maintenant, on va relire. Alors quand on relit, avec ton crayon à papier et ta gomme, tu as le droit de corriger là où tu penses que tu as fait une erreur. Ou si tu as oublié un mot, tu peux corriger tout ce que tu veux avec ton crayon papier. Alors, tu lis les mots que tu as écrits en même temps que moi et si tu vois que tu as fait une erreur, mets la vidéo sur pause. Alors, le babouin est coincé loin dans un coin où il y a moins de foin. Alors, ça y est, tu as fini de relire. Maintenant, nous allons corriger. Alors, pour corriger, tu vas prendre ton stylo vert et puis tu écriras les mots juste dessous ceux que tu as fait faux. Allez, on y va. Alors, voilà la phrase. Le. Évidemment, le L a une majuscule parce que c'est le premier mot de la phrase. Babouin, attention, ne mélange pas le B de banane, là c'est deux fois le B de banane, avec le D de radis. Et puis le ouin de babouin, c'est le ouin de pingouin, O-U-I-N. Et, c'est le petit mot qu'on connaît, E-S-T. Coincé, on voit d'abord le C de canard, le ouin. De point, le s de pouce et le e de épée. Loin, c'est le loin de point. Dans, on commence à le connaître. Ne mélange pas le de avec le be de banane. C'est le en de pantalon et à la fin, il y a un s muet. Un, on sait l'écrire. Coin, c'est le c de canard et le ouin de point. Ou,
Attention, il y a un accent grave sur le U. Il, I, A, on sait l'écrire, le I de il y a, attention, c'est le Y. Moins, c'est le oin de point. Et à la fin, il y a un S muet. Et enfin, foin, c'est le oin de point. Donc c'est tout le temps le oin de point, sauf dans babouin, d'accord? Pour t'en souvenir. Et puis à la fin de la phrase, évidemment, il y a un point. C'est encore pour faire la rime avec oin. Alors voilà, maintenant, tu mets la vidéo en pause, le temps de corriger tous les mots, et je te retrouve pour un autre travail. À tout à l'heure.